Première étape de mon séjour à Paris, visite de l'exposition du corps de la lettre à celui de la nymphe, le Paul Hermangette à la galerie Jean Broly. Déjeuner chez Thuride et Paul Hermangette. Je ne me suis jamais autorisé à filmer leur appartement, ou presque jamais. Y voilà. L'après-midi, tournage avec Hélène Gaudy dans l'atelier de son père. Je n'en montrerai pas plus. Ces images leur appartiennent plus qu'à moi. Quelques jours plus tard, j'ai envoyé un petit mot à Alain Cavalier sur une photocopie de mon ticket d'entrée. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une carte postale de lui. Quelques mots pour me dire qu'il regarde mon journal filmé, me plonge dans l'épisode 129, m'écrit-il. J'ai commencé à filmer Emmanuel. J'ai commencé par ses mains. Qui font tourner deux toupies. J'étais dans le film déjà. Et je pense que la toupie va être un objet du film. Voilà. Je vais redescendre parce que je partais zéro. En bois de gens, on va des mecs qui posent et on va aller voir. Ouais. Enfin, on va tous souffler. Pour moi, il y a une meuf qui m'a même elle m'a dit explicitement rien de même. Thank you.
Je suis allé prendre un petit déjeuner dans le bar en face de l'hôtel. Les chaînes d'info ont continué d'y diffuser en direct de Bayeux, la ville de mon enfance, comme si les images du journal filmé rentraient dans la télévision. Est arrivé sur Mistréal pour commencer à libérer la ville. Et puis Jacques Lewis est arrivé un tout petit peu plus tard dans cette journée du 6 juin 1944. Il est arrivé, lui, avec la 2e division blindée américaine à Utah Beach. C'est la seule plage du débarquement, si on peut dire, qui est située dans le département de la Manche. Et lui, ce qu'il a en souvenir vraiment, c'est cette vision d'horreur, ces eaux rouges de sang depuis le matin. Il a pu voir que les combats avaient été extrêmement terribles.